De la prima dumneavoastră carte despre Ludwig al II-lea al Bavariei, cărțile dumneavoastră urmăresc aproape în exclusivitate biografiile regilor și reginelor Europei. Sunt poveștile unor oameni sau ale unor familii care au determinat marile evenimente istorice. De ce ați ales să vă ocupați de acest domeniu? Și cu precădere de o anumită perioadă, a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prima jumătate a secolului al XX-lea. Alors, j'ai longtemps été journaliste et dans les années 1970, j'étais journaliste à Paris Match et plus tard journaliste au Figaro Magazine. Je voyageais beaucoup et je trouvais que l'Europe dont on parlait était très inhumaine, très désincarnée et qu'on oubliait qu'il y avait eu des personnages passionnants qui faisaient rêver mais qu'on connaissait mal. Et pour résumer, dans les années 70, on m'a envoyé en Bavière pour une question professionnelle. Je ne connaissais pas les châteaux de Louis II de Bavière. Je les ai visités et je me suis dit, mais quel est le livre récent qui a été écrit en français, pour les Français? Et tout était ancien, remonté à la guerre. Et donc j'ai commencé une longue enquête et ce livre est sorti dans une collection très populaire, mais de grand prestige en France, dirigé par grands historiens aimés du public et à la radio et à la télévision. Et je dois dire que l'accueil réservé à ce livre par le public, puisqu'on a réimprimé presque tout de suite, j'ai eu un prix de l'Académie française et il a été traduit même au Japon. Cet accueil a décidé de ma carrière de la suite, que j'allais pouvoir continuer dans la biographie historique de personnages mythiques de l'histoire européenne. Școala franceză de la Anal a pus accentul pe civilizație, pe probleme economice și sociale. Cărțile dumneavoastră sunt aproape exclusiv despre personalități. Ați dorit să contrabalansați lucrurile, să umpleți un gol? Oui. Il m'a semblé que l'histoire était, du moins en France, enseignée d'une façon qui était devenue très ennuyeuse, puisque les hommes et les femmes, quel que soit le pays, n'existaient plus. On avait fait une histoire inhumaine, et c'est encore un petit peu le cas. Et moi, j'aime beaucoup, si vous voulez, étudier des personnages, des biographies, leur vie. Alors, le marxisme prétendait que l'être humain n'existait pas, que c'était des grands mouvements qui emportaient l'homme ou la femme, etc. Moi, je continue de croire que ce sont les hommes et les femmes qui décident. Alors, quelle est leur vie publique? Quelle est leur vie privée? Quelle est leur santé? Qu'est-ce qu'ils aiment? Et écrire une biographie est passionnant, bien sûr, mais on va vivre avec quelqu'un pendant des années. Il faut que ce soit quelqu'un qui est intéressant. Il faut essayer de rester le plus objectif possible, de ne pas gommer ses défauts, ses erreurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous ces personnages auxquels je me suis intéressé, j'ai toujours beaucoup de mal à les quitter, à les faire mourir. Vous voyez, il y a quatre jours, c'était le 100e anniversaire de la mort de l'empereur François-Joseph d'Autriche-Hongrie. J'ai fait une chronique dans un magazine belge, mais on en a peu parlé en France, et c'est un des tournants quand même de la Première Guerre mondiale, quoi qu'on en pense. Cet homme, avec tout ce qu'il avait eu comme malheur, comme espoir, etc., qui a perdu toutes ses guerres.
Et comme je suis très attaché à l'Europe, à tous ces pays de la véritable Europe, à leur civilisation, à leur langue, avec des personnages étonnants, quelquefois cocasses, et en Roumanie, on a eu des personnages formidables, comme la reine, la poétesse Carmen Silva, ou la reine Marie, par exemple. J'aime beaucoup parler d'un pays à travers quelqu'un qui l'a incarné. Voilà. Et la Roumanie est un exemple formidable, d'autant que c'est un pays qui est né grâce à la France, grâce à la volonté de l'empereur Napoléon III, après la guerre de Crimée, de réunir, entre autres, les provinces de Moldavie et de Valachie. Voilà. Alors on sait que ça a été compliqué, mais enfin, je sais que les Roumains sont très reconnaissants à l'empereur Napoléon III qui forgeait une nouvelle Europe, y compris avec l'unité italienne. Îi sunteți îndatorat lui Alain Decaux, oui. meritele lui de istoric au fost recunoscute târziu. Pe Wikipedia m-am uitat, există un singur rând la biografie. Wikipedia, il y a seulement une ligne de la biografie d'Alain Decaux. Cărțile lui însă s-au vândut în tiraje foarte bune. Alors, c'est très compliqué parce que Alain Decaux est un homme que j'aimais profondément. Il a fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les passeurs, entre guillemets, c'est-à-dire les transmetteurs de l'histoire, avec André Castelot et un troisième qui s'appelait Jean-François Cap, par leurs livres, mais surtout la radio et la télévision. C'est-à-dire qu'ils ont accompli un travail, selon moi, que l'éducation nationale, le ministère, ne faisait pas bien. Et si leurs livres ont eu beaucoup de succès, leurs émissions beaucoup de succès, et les successeurs qui font la même chose aussi, c'est parce qu'ils ont rendu l'histoire intéressante. Quand j'étais lycéen à Paris, j'ai eu un professeur d'histoire passionnant. Nous étions des chahuteurs, on faisait beaucoup de désordres, mais dès qu'il prenait la parole, on l'écoutait. Et il adorait l'histoire européenne, il la racontait très très bien, avec les moyens de l'époque. Alors, je n'oublierai jamais que lorsque publié mon livre sur Louis II de Bavière, j'apprends qu'Alain Decaux allait faire une émission à la télévision sur Louis II de Bavière, j'ai eu l'audace de dire « il ne peut pas faire cette émission sans parler de mon livre ». Bon. J'avais les bonnes feuilles et j'ai téléphoné en tremblant chez lui d'une cabine téléphonique et sa secrétaire me disait « Monsieur Decaux n'a pas le temps ». Donc je dis « Voulez-vous lui dire que j'ai du nouveau sur la mort du roi ?» Alors elle m'a dit à ce moment-là « Je vous le passe ». Et il a eu la gentillesse d'évoquer mon livre et de me souhaiter la bienvenue. Et je ne l'ai jamais oublié, si vous voulez, parce que j'ai apporté sur ce sujet, pour les Français, beaucoup de choses nouvelles. Les Allemands l'ont reconnu. Et plusieurs années plus tard, en 2011, j'ai demandé à Alain Decaux, qui était un personnage considérable de l'Académie française, qui avait été ministre de la Francophonie, qui était grand croix de la Légion d'honneur, très populaire. Il était déjà très malade, je lui ai demandé, et il a accepté, il m'a remis la Légion d'honneur, et c'est un moment que je n'oublierai jamais. Voilà. Et j'étais à ses obsèques, nous étions, ma femme et moi, à ses obsèques, et je peux dire que ce jour-là, les Français ont perdu un de leurs professeurs d'histoire favoris. Există o asemănare între felul cum scrie Alain Decaux și felul cum scrieți dumneavoastră? Sau o rassemblance între l'écriture d'Alain Decaux et votre écriture. Ah, bah écoutez, je ne savais pas, mais... Povestiți amândoi, sunteți amândoi povestitori. Oui, des bavards, des très bavards, c'est un défaut de famille. Mais c'est un grand compliment. Alors... la biographie est pour moi un genre que j'aime beaucoup, qui est très exigeant parce qu'il faut suivre le personnage en permanence,
dans sa vie donc privée, publique. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe autour? Moi, j'aime bien savoir bon, quel temps fait-il? Est-on en guerre, en paix? Où se trouve-t-on? Et c'est Alain Decaux qui m'a donné ce conseil très, très important de ne jamais être dominé, submergé par une documentation. Je connais quelqu'un en France qui m'a dit un jour sur un sujet, il y a tout dans mon livre. Et ça, c'est très inquiétant parce que d'abord, c'est prétentieux, on ne peut pas tout mettre. Et c'est comme si vous alliez au marché faire vos courses et que vous avez acheté tout ce qu'il y avait. Ben, ça ne va pas faire un bon déjeuner, forcément. Voilà. Donc, il y a la sélection, et la sélection jusqu'au bout. Et c'est très triste de quitter un personnage avec lequel on a vécu. Ben, j'ai écrit une biographie d'Elisabeth d'Autriche, Sissi, qui a été traduite en hongrois notamment, et au Japon. J'ai passé 5 ans avec ce personnage. J'ai eu beaucoup de mal à la tuer, à être à la place de son assassin. Et pour les autres livres aussi, tous les personnages avec lesquels on vit en sympathie ou en étant en colère contre eux. Voilà, alors c'est un genre, la biographie, qui est pour moi très exigeant parce qu'il rassemble plusieurs disciplines historiques. Il y a la météorologie, il y a l'économie. Il y a les accidents qui n'ont rien à voir, le hasard. Donc c'est beaucoup de choses et ensuite il faut que ça soit écrit de la façon la plus... Il faut faire oublier la documentation. Alors je n'aime pas l'histoire romancée, et il y a des maîtres merveilleux, Alexandre Dumas en France, mais j'aime bien l'histoire romanesque, c'est-à-dire l'histoire présentée comme un roman vécu. Ați scris saga unor familii și ați amintit înainte de faptul că scrieți despre personaje mitice. Vous avez écrit des sagas des familles et vous avez mentionné le fait que vous écrivez sur des personnages mitiques. Saga conotează ideea de legendă. Transmet l'idée de légende. Cum tratați problema aceasta a personajelor care sunt într-un mit, dans un mythe qui se trouve à l'intérieur d'un mythe, surtout dans cette aura de légende. Oui, mais c'est une situation très difficile pour les hommes et les femmes qui appartenaient à ces dynasties parce que on leur demande beaucoup. Alors, ils sont en principe préparés, hommes et femmes, préparés, éduqués, élevés, mais est-ce qu'ils vont être bien à la hauteur de la tâche? Bon, en Roumanie, le prince héritier Carol, le futur Carol II, ça a été assez difficile pour ses parents à cause de ses relations avec les femmes, on le sait. Bon, quand on voit le rôle des femmes, Madame Lupescu, Zizi Lambrino, puis après tout ce qui se passe, les conséquences politiques. Mais il faut, si vous voulez, être, je dirais, lucide. Les régimes monarchiques, empire ou royaume, sont, à mon avis, beaucoup plus exigeants, en principe, je le constate, que les républiques sur le comportement des personnages qui sont en vue. Parce que la famille, il faut qu'il y ait une famille évidemment, la famille doit être exemplaire. Si elle commet une faute, ça rejaillit sur tout le régime. Regardez ce qui s'est passé en Espagne, n'est-ce pas? Et le nouveau roi actuel, Philippe VI, a donc chassé sa sœur pour des histoires financières, parce que c'est toute la couronne, c'est toute une image d'un pays. Il me semble qu'en République, ce n'est pas le régime qui est mis en cause, c'est un personnage ou deux ou une institution. Mais en monarchie, il faut être absolument irréprochable, sinon ça tourne mal et ça donne l'abdication. On l'a vu en Angleterre. C'est donc exigeant. Et alors, l'idée de saga, c'est une sorte de feuilleton, de série. Je trouve ça... passionnant. Moi, j'ai écrit ces livres alors qui ont demandé beaucoup de recherches, mais pour ne jamais perdre le fil, si vous voulez, du personnage au milieu
de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il fait de bien ou de mal. J'ai un exemple qui est assez comique. Mon père, Guy Descartes, était très lié avec un grand biographe français, il y a 40-50 ans, qui s'appelait Jean Horieux, et qui était en train d'écrire un livre qui reste un livre de référence, même s'il y en a eu d'autres depuis, sur Talleyrand. Et papa lui demande « Comment vas-tu? Où en es-tu avec ton Talleyrand ?» Ça faisait 2 ans qu'il... Et il lui a répondu « Ça va, je boite », pour dire « Je suis le personnage ». J'arrive. Înainte de a scrie o carte, călătoriți în locurile despre care scrieți. Avant d'écrire un livre, vous voyagez. Ah, beaucoup, oui. Alors, je suis resté journaliste et les personnages que j'ai choisis ont la caractéristique d'avoir beaucoup voyagé ou de représenter des pays différents. Alors, je me suis beaucoup documenté, je suis mon propre envoyé spécial. Nous faisons, ma femme et moi, beaucoup de voyages. Il faut vérifier des choses et j'ai constaté une chose qui est le journalisme. Quand on va quelque part, si on a l'instinct de genre, on trouve quelque chose. Et les gens qui restent dans une bibliothèque ont tort, à mon avis. C'est d'autant moins possible aujourd'hui que le public voyage et il veut revoir les endroits dont vous parlez. Et j'ai un exemple absolument étonnant. Pour ma biographie d'Elisabeth d'Autriche, ici, après 5 ans de recherche partout, et dans des conditions difficiles en Europe centrale, car c'était encore le monde communiste, finalement, pour évoquer sa mort en 1898 à Genève, je me dis, il faut que j'aille à Genève. Et je rencontre le propriétaire de l'hôtel Bourrivage, où elle a agonisé, et je lui dis, monsieur, je pense que vous avez été pillé, tout le monde est venu vous voir depuis les films avec Romy Schneider, etc. Et il me regarde, il me dit non, personne n'est venu à l'hôtel Bourrivage. Et rendez-vous a été pris. Le lendemain, il a ouvert au 4e étage de cet hôtel qui existe toujours la chambre où sa grand-mère, Madame Fanny Maillet, qui avait fermé les yeux de l'impératrice, avait gardé un tas de souvenirs, des télégrammes, des dépêches, son journal intime qu'elle a écrit pour consigner tous les événements. Et donc, j'avais voyagé un peu partout en Europe, mais le rapport entre la distance et la moisson que j'ai faite là était extraordinaire. Donc, et même si tout le monde est venu, il faut toujours refaire l'enquête, et la refaire en enquêteur, presque en policier, en tout cas en journaliste. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Et j'essaye de tenir mes livres au courant de l'actualité. Quand il y a des découvertes, des nouvelles interprétations, ce que j'ai fait pour Meyerling aussi, mais ça demande de grands déplacements, effectivement. Mais il faut connaître un pays, une ville, pour comprendre aussi le personnage. Oui, j'y vais volontiers. J'y étais il y a un mois pour une conférence sur le Danube, pour expliquer beaucoup de choses sur la Première Guerre mondiale. C'est là, dans le fond, mon premier directeur de journal à Paris Match m'avait envoyé un reportage à Vienne en 1967. Il avait eu un pressentiment, il avait dit... La Mitteleuropa, c'est pour vous. Je sais pas, il avait vu mieux que moi et plus vite que moi que je m'intéresserais à tout ce qui se passait dans cette Europe. Et je suis revenu enthousiasmé par Vienne, j'ai assisté au tournage d'un film. Et je passe toujours dès que je peux à Vienne parce que c'est un des cœurs battants de l'Europe. Alors j'en vois, c'est un cœur, un drôle de cœur chez moi, hein, parce qu'il y a Vienne, il y a Bucarest, il y a Budapest, il y a Prague, c'est toute cette Europe centrale, cosmopolite, qui est passionnante. On peut y ajouter Belgrade, enfin, il y a un tas de... C'est-à-dire que tout ce qui fait que nous sommes en Europe, cette Europe qui a donné tellement de talent au monde, voilà. Et c'est... Bon, si vous voulez, Vienne, j'y reviens tout le temps. Alors, j'ai vécu des moments extraordinaires. Le plus extraordinaire a été... d'être le seul journaliste reçu par l'impératrice et reine Zita, la dernière reine et impératrice d'Autriche-Hongrie,
Le 10 novembre 1982, elle revenait à Vienne après 63 ans d'exil. Et ce qui est extraordinaire, outre la rencontre avec cette femme de petite taille, mais grande dame d'autre monde, qui a été accueillie d'une façon extraordinaire, le chancelier autrichien socialiste Bruno Kreisky était le petit-fils d'un fonctionnaire de l'empereur François-Joseph. Il avait donné son accord pour qu'elle revienne grâce au roi d'Espagne, Juan Carlos, et elle était rentrée avec un passeport diplomatique. Elle a été applaudie dans la cathédrale de Vienne. Et ce qui est fantastique, c'est que le jour où elle m'a reçu avec un photographe du journal, nous étions très impressionnés. Il y a eu ensuite une petite collation. Nous avons bu quelque chose avec un parterre de la famille de Habsbourg au château de Waldstein. Et on a apporté une dépêche dans les moyens de l'époque à l'impératrice reine, à qui je portais un toast. Et c'était la mort de Léonide Brejnev. Et elle m'a dit, ah, l'Europe va retrouver son âme. C'est assez extraordinaire qu'elle rentre le jour de la mort de Léonide Brejnev. Et beaucoup de gens croyaient qu'elle était morte. Et elle a fait les unes de tous les journaux. Elle a volé la vedette à Brejnev, si je puis dire. Et c'était impressionnant parce que c'était le monde d'avant deux catastrophes, d'avant deux guerres mondiales. Et je ne savais pas qu'elle avait connu ma grand-mère, avec qui elle avait fait une retraite dans les années 30 en France. Ça se trouve que ați fi cumva rudă cu Sisi, cu soția lui Franz Josef. Sisi faisait partie de votre famille, l'épouse de Franz Josef. C'est une légende, mais... Non, oui, je sais, c'est Wikipédia qui prétend que je descende, mais qui prétend que je descends de beaucoup de gens, c'est épouvantable, enfin non. Il y a peut-être un lien très très lointain. Ce qui est plus grave, c'est que Wikipédia prétend que je suis le fils d'une femme qui n'est pas ma mère. Et ça, c'est vraiment... ça dure depuis des années. Non, mais si vous voulez... Derrière, j'aime bien, ça c'est le journaliste, derrière le mythe, quelle est la réalité? Bon, donc j'ai fait une enquête. Là aussi, il n'y avait pas eu, pour le marché français, de livres sérieux depuis très longtemps. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'aspect, entre autres, politique de la reine de Hongrie, qu'on avait tout à fait gommé, bon, qui est la revanche de l'impératrice que les Viennois n'aiment pas, qui n'est pas aimée, et qui n'aime pas Vienne, et qui se venge en étant favorable à la Hongrie, en faisant faire le compromis austro-hongrois, en portant le gilet de la mode hongroise, en faisant naître son dernier enfant, l'archiduchesse Mavri Valérie, au palais royal de Budapest, et qui est couronnée reine de Hongrie. Bon. C'est tellement vrai que mon livre est sorti en Hongrie et les Hongrois m'ont remercié. Et le hongrois est une langue épouvantable, j'ai eu des problèmes de traduction effrayants. Hergé Bett, ils ont adoré Hergé Bett et bon, elle a été couronnée en 1867. Je vous dirais, ce qui est curieux aujourd'hui, c'est que les Viennois, d'une façon générale, n'aiment pas Elisabeth Sisi, mais ils en vivent de son souvenir avec le tourisme, comme ils vivent de l'empereur François-Joseph, très digne. Il y a beaucoup d'expositions à Vienne pour le centenaire de sa mort. Mais les Hongrois sont très fiers, et il y a quelque chose de particulier, c'est que le pont Hergé Bett, qui est l'un des 8 ponts enjambant le Danube, n'a jamais été débaptisé, même du temps de la dictature communiste. Et sa statue qui avait été mise de côté, on avait mis Lénine, maintenant c'est Lénine qui a été mise de côté, la statue est revenue à côté du pont Hergé Bett. Le pont n'avait pas été débaptisé. Donc, et dans toute l'Europe centrale, on a vu son passage. C'est sa revanche. Alors c'est intéressant, ce personnage politique provocateur. Elle ne devait pas être facile à vivre, elle était fragile nerveusement, mais très belle, et elle avait... Et je termine là-dessus, un pressentiment formidable, car elle dit
en 1890, comme elle voyage beaucoup dans les Balkans, elle dit « L'orage européen éclatera dans les Balkans ». C'est 24 ans avant l'attentat de Sarajevo. Et personne ne l'a cru, ne l'a écouté. În cartea aceasta despre Viena, valsul joacă un rol foarte, foarte important. Și aproape vienezii și-au dezvoltat aproape o industrie, au câștigat foarte mult bani din vals. Ah, oui. Oui, et ça continue. Oui, ça continue. Oui. Alors, ce que nous appelons la valse viennoise est une danse populaire venue du sud, sans doute de la Styrie, qui fait son apparition aux environs de 1810-1812, mais que des gens malins vont faire connaître quand l'Europe est au congrès de Vienne. Le prince de Ligne, qui était un grand aristocrate européen, remarque que les travaux diplomatiques n'avancent pas, et il dit « le congrès n'avance pas, mais il danse ». Bon, tout le monde va danser à Vienne. C'est devenu un univers fantastique, parce que c'est une révolution, la valse viennoise. Pour la première fois, un homme et une femme, l'homme prend la femme par la taille. Jusqu'à présent, on ne touchait pas. Donc, c'est une révolution des mœurs. Et puis, alors, il y a le fait que la famille Strauss, le père et le fils, vont être des industriels et des commerçants, mais des artistes de génie, fantastique. Le fils pour les opérettes, qui vont continuer. Il faut voir la vie du Prater à Vienne avec les concours de violon, les concours de valse. Et ce qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui encore, à Vienne, la valse et les bals sont des traditions, y compris dans la jeunesse, et qu'il y a toujours des bals de corporation, le bal des chasseurs, le bal des coiffeurs, enfin, tout ça très, très chic, après tout ce que Vienne a vécu. Mais ce qu'il y a de bien à Vienne, c'est que c'est la capitale de toutes les musiques. Bon, c'est Mahler, c'est Mozart, ce sont les Strauss. Toutes les musiques ont droit de citer et sont bien interprétées. C'est vraiment, alors là, on peut dire la capitale de toutes les musiques en Europe. Toutes les influences sont venues là. Din contactul cu otomanii, au rămas în Viena patiseria și cafeaua. On a gardé la pâtisserie et le café après le contact avec les Ottomans. Oui, 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 bien sûr, oui. Tout le monde sait que c'est grâce, si je puis dire, à un siège viennois en 1683 et à l'attention des boulangers qui ont entendu en pleine nuit les sapeurs ottomans qui essayaient de détruire les défenses viennoises, que, bon, la défense s'est réveillée et que l'empereur a permis de faire cette pâtisserie en forme de croissant. C'est une bonne chose d'une attaque. Il y a des bons côtés dans les invasions. Et ce qui est drôle aussi, c'est que les grains de café, on n'a pas compris tout de suite ce que c'était. On a cru longtemps que c'était de la nourriture pour les chameaux et les dromadaires de la caravane du sultan. Mais un espion a dit non, non, voilà comment il faut le griller, ça fait le café. Et c'est fou, des pays qui connaissent des éléments de civilisation comme le croissant et le café peuvent rayonner dans le monde entier, ensuite ça part vers l'Italie. C'est vrai, il y a un art de vivre qui est né de ces combats, de ces confrontations. Primul război mondial este aproape mereu în centrul cărților dumneavoastră. Și vedeți acest război ca pe o reglare de conturi între marile familii europene. Ori în epocă, tocmai această înrudire între familiile conducătoare era cea care ar fi trebuit să asigure pacea, cea care
era o garanție a păcii. Alors, il y a, bon, absolument, il y a deux questions. Pour moi, la Première Guerre mondiale et ses conséquences sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus importantes que la Seconde. Je ne parle pas des horreurs, parce que la Première Guerre mondiale, c'est vraiment la fin d'un monde, d'une société, d'une organisation, et on n'avait jamais vu une telle confrontation. Bon. La seconde observation, à mon sens, elle n'aurait jamais dû éclater, cette guerre, parce que c'est un gigantesque règlement de compte familial, et tous ces souverains et leurs chefs d'état-major, ministres de la guerre, tout ce que vous voulez, premier ministre, ne se sont pas vus, ne se sont pas réellement parlé. Ils se sont envoyés des lettres, des télégrammes, des dépêches, tronquées ou faussées. Je montre dans ce livre la dernière rencontre entre les souverains, qui est à Berlin en 1913, pour le mariage de la fille du Kaiser. Ils sont tous là, sauf François-Joseph, qui a une pneumonie. Et là, ils ne vont plus se revoir, ils vont se battre. Ce qui a manqué, à mon avis, c'est un homme de l'intelligence et du caractère diplomatique comme l'était le roi Édouard VII, le fils aîné de la reine Victoria, malheureusement mort en 1910, car je suis convaincu qu'après l'attentat de Sarajevo, il aurait fait la tournée, il aurait été voir François-Joseph, il l'aurait calmé. Il lui aurait dit, sire, vous n'avez qu'une ambition, c'est de mourir tranquillement dans votre lit maintenant, après tous les drames que vous avez vécus. Il aurait été voir le fantasque et imprévisible et théâtral Guillaume II. Il aurait calmé aussi les angoisses de Nicolas II. Il aurait fait la tournée. Il n'y avait plus cet homme. Et c'est effrayant parce que c'est cet engrenage de liens de famille est pire que tout. Alors, le grand écrivain français Balzac a dit que pour voir les haines les plus fortes, il faut être en famille. Oui, mais là, c'est l'Europe est une affaire de famille, et la France est la seule république entourée de monarchies, si on excepte la Suisse, qui va être impliquée par l'alliance franco-russe, notamment, dans cette affaire. Et c'est effectivement la fin d'un monde, mais c'est surtout des gens qui ne se sont pas parlé, qui ne se sont pas vus. C'est ça qui m'a frappé. Ce credeți că a minat sau a subminat toată această elită regală a Europei? Turbulențele amoroase, relațiile între le familii, între le monarhii, les amours, les affaires extra-conjugales, quoi, Alors, oui, ça c'est très épicé. En Roumanie, on a eu des cas très, très intéressants. Alors, la Roumanie est une des monarchies qui subsiste, on le sait, après la Première Guerre mondiale. Bien, c'est très cocasse. Alors, le comportement du prince héritier, bon, est ce que l'on sait avec les femmes, Zizi Lambrino, son mariage qui ne marche pas, Zizi Lambrino qui veut faire reconnaître son enfant, Madame Lupescu qui sera surnommée la Louve des Carpates. Alors beaucoup de gens dans ma famille ont connu des personnes, des oncles à moi, des tantes plus âgées. J'aime beaucoup le personnage de la reine Marie qui vient à Versailles. Alors ça c'est extraordinaire parce qu'elle est furieuse que les rois et les reines ne soit pas convié. C'est très compliqué, la réunion à Versailles, parce que vous avez un chef d'État qui est aussi un chef de gouvernement, c'est le président américain Wilson. Et vous avez un président du Conseil français, Clémenceau, et vous avez un ministre des Affaires étrangères, anglais, italien. Elle arrive, elle n'est pas contente, la reine Marie, elle parle merveilleusement français, elle a été élue membre de l'Académie des inscriptions et des belles lettres. On sait les rapports proches entre la France et la Roumanie. Il y a eu du temps de Madame Vacarescu, du temps avec le prix Femina, etc. Mais c'est très drôle parce qu'elle est furieuse. Elle dit « Je suis le premier fonctionnaire de mon royaume, pas le mieux payé », dit-elle.
Et elle va voir Clémenceau en lui disant « Pas touche à la Dobroudja, on est en train de dépecer le pays ». Et il lui dit, il a de l'admiration pour elle, mais il est assez stupéfait. « Madame, votre majesté réclame la part du lion ». Et elle lui répond « Oui ». Et c'est pour cette raison que je suis venu voir son cousin, le tigre, parce qu'on le surnommait le tigre. Elle avait été très courageuse, puisqu'elle avait empêché, très intelligente, le roi de signer le traité infamant de Bucarest, qui était favorable à l'Allemagne, elle avait eu raison. Et elle a rendu hommage aussi, et moi je le fais parce que les Français l'oublient, au général Berthelot, qui a permis de réorganiser l'armée roumaine avec 2000 officiers, qui a été un homme extraordinaire, il faut bien le dire. Hélas, oublié en France. Bon, alors, les histoires d'amour dans l'Europe centrale, d'une façon générale, ont toujours fait beaucoup rire au théâtre, à Paris, parce que les gens avaient un accent. Et nous avons très bien connu, et j'ai connu, cette comédienne merveilleuse, Elvire Popesco, qui était très très drôle, et qui m'a raconté une histoire, je ne sais pas si vous pouvez la transcrire. Je lui dis, comme j'adorais l'Orient Express, que j'avais raconté qu'au premier voyage de l'Orient Express, la reine Carmen Sylva, la reine poétesse, en octobre 1883, avait écrit un poème à l'Orient Express qu'elle a lu pendant, très longuement pour les voyageurs debout à Chinaya, au château de Pélès. Alors, je dis à Madame Popesco, grande comédienne, « Vous êtes venue, Madame, par l'Orient Express ?» Et alors elle me dit avec son accent, « Mais oui, chérie, Orient Express, ça va très bien dans le sens Paris-Bucuresti, mais dans le sens Bucuresti-Paris, il faudrait appeler l'Occident Express. Mais il paraît que j'ai un accent, et ces messieurs disent on ne peut pas appeler un train l'Accident Express. » Je ne sais pas si vous pouvez transcrire ça. Les princesses ont fost, au murit asasinați de anarhiști. Poate ar merita o carte și despre aceste asasinate comise aproape doar de anarhiști. Nu există prea multe cărți despre... despre... Oui, non, mais alors, si vous voulez, j'en parle quand même, parce que j'ai consacré, par exemple, un livre à Rodolphe de Habsbourg, une contre-enquête sur Meyerling, très costaud, car je pense qu'il ne s'est pas suicidé, j'ai de bonnes raisons de croire. Mais, par exemple, là, je raconte l'assassinat d'Alexandre de Yougoslavie, et j'ai connu, quand j'étais journaliste, la veuve de l'officier de cavalerie qui, ce jour à Marseille de 1934, a fendu en deux avec son sabre l'oustachi qui avait tiré sur le roi Alexandre. Et la veuve me racontait comment son mari avait joué. Aussi, j'en ai parlé beaucoup, et il y a eu un livre où il en est question d'une autre façon, de la part d'un très bon journaliste. C'est terrible, mais le roi Alexandre et beaucoup de souverains en Serbie, en Bulgarie, disaient « cela fait partie du métier, les risques du métier ». C'est vrai que c'est terrible, mais voilà, bon, ça fait partie de l'histoire. Mais je dois dire que dans le cas de la mort d'Alexandre de Yougoslavie, dont on connaît les liens de l'armée, la défaillance des services de sécurité français est très très, très grave. Comme à Sarajevo. În această carte Sceptru și Sângele, am fost uimit să găsesc faptul că România are a avut o importanță în viziunea dumneavoastră atât de mare în evenimentele primului. A trouvat dans ce livre l'importance très grande de la Roumanie dans les événements de. Ah mais parce qu'on je trouve qu'on a été très injuste avec la Roumanie parce que les Français qui ne sont pas bons en histoire ne sont pas très bons en géographie non plus. Bon, il y a toutes sortes de raisons. La création de la Roumanie qui doit beaucoup à la France. L'histoire de
la grande Roumanie après la Première Guerre mondiale, le problème d'un pays qui va être otage d'Hitler et de Staline, ce pays qui est un des symboles aussi bien avant du démembrement de l'Empire ottoman, ce qu'on appelait la question d'Orient. Et comme c'est un pays latin, avec notre langue qui est si voisine et qui est très beau, que ce soit depuis la Bucovine jusqu'au delta du Danube, je trouvais qu'on n'en avait pas assez parlé, et beaucoup de gens confondaient la Tchécoslovaquie, etc., avec Ahomey. Et une chose intéressante, l'empereur et roi Charles, détrôné, exilé à Madère, après la signature du traité de Versailles et de tous les traités qui vont suivre, dont il voyait les erreurs, comme le traité de Trianon, a dit « On a créé des États artificiels qui ne survivront pas ». Il avait raison, parce que la Yougoslavie n'a pas survécu, la Tchécoslovaquie n'a pas survécu, après tous les drames, mais il avait dit il y a des États relativement récents qui survivront, comme la Roumanie. Vous voyez cette vision. Donc c'est un exemple très très intéressant. Ce qui prouve que Napoléon III avait vu très loin, dans le fond, il manquait un État au cœur de l'Europe centrale, cette Roumanie, ancienne Moldavie, Valachie en gros.